son unos colegas míos, no te preocupes que son ahí. Je m'appelle Carlos Serrano, je suis travailleur social et j'appartiens au collectif, au Bureau des droits sociaux, qui est un cadre collectif de travail qui se développe à Séville, dans le quartier du Pomarejo, un quartier traditionnel et à caractère revendicatif depuis un certain nombre d'années. Notre collectif travaille dans le cadre de du travail social communautaire dans un quartier où il y a beaucoup d'exclusion sociale, il y a beaucoup de personnes qui ne bénéficient pas d'un certain nombre d'éléments qui sont vitaux en ce qui concerne le logement, les droits. Dans ce quartier, notre collectif est né après un certain nombre d'expériences de travail précédentes. La plupart d'entre nous appartient à des syndicats, des associations de voisins, etc. Et grâce à cette construction collective dans ce quartier du Pomarejo, nous voulons donner un service d'aide juridique gratuite au public de façon plus accessible au-delà des services sociaux, et nous prétendons avec ce collectif tout d'abord créer un observatoire permanent de situation sociale qui va nous donner un profil du contexte dans lequel nous travaillons. L'une des conséquences de la loi sur l'étranger est qu'elle crée une poche de clandestinité, et nous comptons 1 million de personnes dans la clandestinité en Espagne qui vit dans l'économie non reconnue. Ce sont des personnes qui sont exploitées, et la plupart de ces personnes sont des femmes, 55% à Séville, et la plupart travaillent dans les tâches ménagères et où se consacre à la prostitution, dans des secteurs où cette invisibilité est très très marquée, très forte. Donc nous dénonçons à travers cette règlement juridique et en utilisant le droit espagnol, nous critiquons justement le non-respect des droits fondamentaux. Nous sommes à la frontière d'un quartier où il y a beaucoup d'immigrants, le quartier de la Macarena. Et donc tous les immigrés sont regroupés dans ce même secteur. Il est très facile de les reconnaître. Et il est très fréquent qu'ils viennent nous voir au Pomarejo en ce qui concerne les sujets de l'éducation, la santé, etc. Donc notre travail collectif sert à pallier ces nécessités, ces besoins. Et en même temps, nous recueillons des informations qui nous donnent le contexte de leur situation. Par exemple, grâce au travail avec d'autres réseaux, nous travaillons le côté revendicatif de la question. Pourquoi une action collective plutôt qu'individuelle? Carlos, pourrais-tu définir quels seraient les avantages des actions collectives face aux actions individuelles par rapport à votre expérience? Oui, les expériences collectives ont été très enrichissantes par rapport aux actions individuelles, car il est vrai que nos collectifs
tout seul ou les individus tout seuls n'auront jamais la même capacité d'action et de réaction que s'ils travaillent de façon collective. Et d'autant plus que le sujet de l'immigration n'est pas quelque chose d'estatique, c'est un sujet qui est en mouvement et qu'il doit être observé dans toute son ampleur et de manière collective. Les actions menées qui sont illégales peuvent-elles tout de même être légitimes ? Comment vivent les militants et les activistes le fait de mener des actions illégales mais légitimes ? Nous travaillons toujours à contre-courant parce qu'il s'agit d'une question de dignité. Donc nous ne pouvons pas imposer aux immigrants leur façon d'agir. Notre travail consiste à soutenir ces actions et ensuite, par rapport à la loi espagnole concernant les immigrants, nous menons à bien des actes de désobéissance civile. Nous dénonçons auprès d'organismes publics, à travers différentes actions, des squats, des enfermements, etc. Et en même temps, nous réalisons des manifestations. Nous essayons de rendre visible et de façon permanente cette dénonciation face à la loi espagnole d'immigration. Quel est le rôle des professionnels du droit ? Lors de la dernière régularisation d'immigrants, par exemple, les juristes travaillant dans les différentes associations, face au chaos provoqué par les immigrants sans papier, ces juristes, ces avocats, ont travaillé main dans la main pour faire une demande au gouvernement qui a ensuite régularisé donc la situation de toutes ces personnes. Se former au droit, légitimer son action. Pour cela, nous essayons toujours de nous former aux aspects les plus juridiques de la loi. Dans notre collectif, nous réalisons des formations de façon interne et externe aussi. Des formations pour les travailleurs des associations qui travaillent avec des immigrants. Car cela représente un outil juridique et social qui nous servira plus tard à nous permettre de travailler avec ce collectif des immigrants, c'est-à-dire se nourrir des victoires. Quand la justice tranche en faveur de notre collectif dans le cadre d'un contentieux administratif par voie judiciaire, notre collectif rend publique cette décision pour que d'autres réseaux agissent de la même façon. Donc la connaissance du droit est très importante dans ce cas-là. Et de plus, cette connaissance est transmise à d'autres réseaux qui pourront l'employer pour faire pression ou pour remplir un vide juridique. Se préparer au risque de l'action. Avez-vous une façon définie de préparer les militants au risque de l'action ? Avez-vous une méthode en particulier pour préparer ces personnes à ces risques ? Normalement, nous organisons des journées à l'intérieur du collectif et parfois à l'extérieur du collectif aussi. Et ces réunions s'organisent en ateliers. À l'intérieur de ces ateliers, cette année par exemple, nous avons organisé un atelier appelé Chronogramme, où nous demandons aux associations participant à l'atelier d'établir une chronologie des actions menées et des risques encourus. Par exemple, cette année, on a travaillé sur une chronologie allant de 97-98 à 2006. Et donc, les participants, nous expliquons aux participants comment nous agissons, nous, dans ces cas-là, et quels sont les risques encourus quand nous menons des pratiques de désobéissance civile. Et quels sont les résultats ? Les résultats sont très nombreux. Tout d'abord, nous travaillons dans une ligne alternative au discours du gouvernement. Nous sommes ensuite capables de construire des initiatives publiques qui sont antagoniques et critiques face aux institutions.
Nous permettons au reste de la population de visualiser cette situation des immigrants par des enfermements, des squats, comme je disais tout à l'heure, et nous demandons la régularisation donc de centaines de milliers d'immigrants. Pour dire à haute voix que les immigrants ont quelque chose à dire et qu'ils sont capables d'agir face au non-respect permanent de leurs droits. Donc nous, main dans la main avec eux, nous créons des outils de désobéissance civile face à la loi et nous allons continuer notre travail dans cette ligne. Thank you.